avait fait une bonne entame de match. D'ailleurs, on fait le plus dur parce qu'on marque après 10 minutes, donc on se dit qu'on va un petit peu dérouler, puis on est retrouvé un petit peu dans nos travers, de vouloir porter la balle à tous les niveaux, surtout au milieu de terrain et devant, je trouvais qu'on gardait trop la balle et qu'on ne jouait pas assez collectivement. Et ça aurait dû être à la limite 3-0 à la mi-temps, et malheureusement, par ce manque de collectif, et ce manque de précision aussi, surtout, les derniers ballons, les dernières passes, ça manquait vraiment de précision. Et à cause de ça, on était encore en difficulté à la mi-temps. Eux, de leur côté, ils n'ont vraiment pas d'occasion, ou très peu, des situations plus ou moins dangereuses. Donc j'ai demandé à la mi-temps qu'on soit un peu plus précis et plus collectif. Et puis on a la chance, je dis bien la chance, parce que marquer sur un goal un peu gag, si je puis dire. Hein. L'action est belle, l'action est super. Derrière, elle n'est malheureusement pas très bien et ce ballon aérien qui retombe, qui finit par rentrer dedans, couvrait les jambes à l'équipe adverse. Et ça, on savait que mentalement, ils battaient pour un point et qu'ils avaient deux goals d'écart, ils seraient en difficulté. Et puis après, on déroulait. On aurait pu encore aggraver le score, mais voilà quoi. C'est la première fois depuis le début de l'année que je peux un peu passer les 25 dernières minutes un peu plus relax sur mon banc. Et j'étais vraiment fâché à la mi-temps parce que je trouvais qu'on avait tout en main et qu'on aurait pu finir ce match-là beaucoup plus tôt. Et qu'on finalement, on les a gardés dans le match assez, trop longtemps à mon goût. Et puis cette spirale négative qui nous collait au basque est devenue positive. Ne fût-ce que le deuxième goal déjà, les deux, trois arrêts de Gwen, le fait que les attaquants adverses soient bien en bonne position sur les corners et pas bien ne pas marquer. Donc je veux dire que la tendance est un petit peu inversée et on sent un groupe, quoi. On sent un groupe, on prend deux goals en quatre matchs et encore ici à la dernière minute. Et l'autre, c'est un goal un peu offert de retard au Mormont. Et on sent vraiment un groupe solidaire, avec même des gens qui reviennent de blessures, et beaucoup de possibilités. Donc à mon avis, on est bien parti pour se sauver. C'est une formalité, ne tombons pas non plus dans l'euphorie. Et... Enfin voilà, c'est dommage qu'on n'a pas commencé à jouer comme ça dès le départ. On va encore nourrir des regrets. Mais il y a un mois de ça, on aurait dit qu'on allait prendre 10 points sur 12, je ne vous aurais pas cru. Quoi. Surtout après la défaite d'El Saut. Moralement, on n'était pas bien. C'est bien parce qu'on a des gens dans le club qui font confiance aux joueurs, au staff, et c'est important parce que ça nous permet d'avancer, de continuer à avancer. Et voilà, beaucoup de coachs n'auraient pas terminé la saison s'il n'y avait pas eu un président et son entourage comme ça.